Un seul titre pour cette édition, quel dénouement dans la grève des enseignants entamée depuis les premières heures de l'année scolaire 2017-2018. Quelques réactions dans ce journal-là. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je vous l'annonçais en titre, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur a respecté son mot d'ordre de grève de 72 heures depuis ce matin. Odette Zwangena a fait un constat dans quelques établissements de la ville de Ouagadougou. Suivez son reportage. Même l'appel de l'UNAPSB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina, n'a pas arrêté la détermination des enseignants. Comme annoncé par le syndicat national de l'éducation du Burkina, les enseignants ont respecté le mot d'ordre de grève de 72 heures qui a pris effet ce 9 janvier 2018. Nous avons sillonné deux lycées de la ville de Ouagadougou, constat. Au Nelson Mandela, les salles de classe sont fermées, la salle des professeurs ici ouverte est vide où la poussière règne en maître des lieux et la cour qui se désemplit de plus en plus de ses élèves et d'aucuns n'empruntent le chemin de retour de la maison. Le peu qui reste soit apprenant leurs leçons, nourrissant l'espoir que tout rentrera dans l'ordre et d'autres font appel à l'appui du bon Dieu. Comme vous le voyez, les professeurs sont en grève. Bon, en tout cas, par rapport à ça, on est vraiment dessus, on ne peut pas vraiment dire qu'on est satisfait de la situation actuelle. Mais tout ce qu'on peut demander, c'est que bon, tout revienne à l'ordre, quoi, tout se rétablisse pour que nous, on puisse avoir des évaluations, voilà, et qu'on puisse avoir une idée du trimestre, parce que réellement, on n'a aucune idée du premier trimestre. On se demande ce qu'il adviendra, quoi. Dans notre parcours, nous avons rencontré un professeur qui s'est prêté à nos différentes questions. On oublie tout que nous sommes aussi des parents d'élèves. Nous sommes des enseignants et parents d'élèves également. Nos enfants également vivent la même situation. Nous ne sommes pas hors du pays. Nous sommes les premiers concernés. Et ce qui nous fait mal, c'est nous d'abord. Ça veut dire que quand j'écoute parfois certaines déclarations dans la presse, c'est comme si les enseignants sont insouciants de ce qui se passe, alors que nous sommes même les premiers inquiets. Nous avons posé un problème, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Et nous voulons vraiment un dialogue franc, nous voulons effectivement que le gouvernement se mette en tête qu'il faut résoudre une bonne fois ce problème. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes les premiers inquiets. Et nous allons en grève, c'est pas qu'on le veut, c'est parce que nous sommes contraints d'y aller. Et donc nous sommes inquiets et nous ne demandons qu'à reprendre totalement les évaluations et que l'année puisse être normale comme les autres années. Tout juste à côté, nous avons le lycée Philippe Zenda. Même constat, la grève des enseignants a été scrupuleusement respectée ici à Ouagadougou et même dans d'autres provinces. Nos présidents du FASO, de voir la souffrance de nos parents qui se sont débrouillés pour nous amener ici à l'école pour contribuer à notre réussite. Et une année blanche nous conduira aussi à l'échec. Donc on demande à l'ensemble du gouvernement et à l'ensemble des professeurs de trouver un accord pour le bien-être de notre pays. Les enseignants se sont réunis à la bourse du travail où ils tiennent leur rencontre. Tandis que nous quittions les lieux, il est ressorti qu'une rencontre se tient présentement entre le gouvernement et le syndicat national de l'éducation du Burkina. Espérons qu'un accord sera trouvé afin que l'année scolaire et universitaire 2017-2018 soit sauvée. La grève des enseignants ne touche pas que les élèves. Les vendeuses de petites friandises dans les lycées et collèges n'en sont pas épargnées. Suivez leur cri de cœur au micro de Odette Zwangena. La grève là, fait là, ça ne nous plaît pas. Si nous on vient, c'est ici aussi on gagne un peu. Aïe. On vient et puis il n'y a rien. Les enfants là font grève, on va commander les matériels venus déposer. Il n'y a pas marché, on va ramasser, aller déposer à la maison. Comment on va faire? Sinon, ce qui est aussi fait là, vraiment, ça ne va pas. Quelqu'un, le parole comme ça, là, si tu parles avec parole doucement comme ça pour encourager sa personne là, vraiment, c'est beaucoup mieux par rapport quand tu vas dire que si vous voulez, vous n'avez qu'à étudier, vous ne voulez pas, ne pas écrire, les enfants ne sont pas là, ils sont en France là. Ça, ce n'est pas des mots. Si le professeur qui était là pour les enseigner là, s'ils étaient comme ça, est-ce qu'ils seront ici? Hein? Ils seront vilains comme nous aussi.
Ah, ils vont venir ramasser les poussières là, mais comme ils sont dans les voitures climatisées là, ils parlent mal là. Faut pas qu'ils parlent mal. Les professeurs là, ils ont raison. Tu vas te lever matin bonheur. Venir, tu vas t'arrêter pendant 3 heures du temps, 4 heures du temps. Hein? Et puis on va dire que tu ne veux pas manger quand même. Ils ont des enfants. Ils ont les femmes. Hein? Donc, allez regarder aussi. Dans mon pays là, c'est pas pour eux tous. C'est pas pour eux seulement. C'est pour nous tous. Hein? Si on avait compté comme ça, est-ce qu'on allait vous voter? N'allez pas vous voter. Non, demande pardon, de grâce. Ils n'ont qu'à regarder le pays là. Parce qu'on souffre. On souffre beaucoup. Vraiment, il y a un yélé. Tu vas vendre comme ça pour aller enlever, préparer, l'enfant va manger. Si ça reste là, 250, on fait contentine pour pouvoir aider les enfants. Hein? Pour que si les enfants ne viennent pas à l'école, est-ce que les professeurs là, ils seraient contents pour venir? Est-ce qu'ils seraient contents? Ils ne seraient pas contents, non, vraiment. De grâce. La cour est vide. La cour est vide. Ah, tu as télévisé, non? Tu as vu personne? Si ce n'est pas nous qui sommes ici. Hein? Pardon. On demande pardon. Oh. Pardon, pardon. C'est nous qui les demandons pardon que de regarder nos enfants là. S'ils si les donnent, ils vont, eux aussi, ils vont regarder ces petits frères là. Pour qu'ils puissent. Kentore. Hein? Voilà. Agnousia, tu vas me couler là, moi. Qui va les remplacer après? Hein? Ah, vous croyez que vos enfants là qui sont là-bas là, qui vont venir gouverner ici, eux seulement? Ok, non, quand vous êtes venus, on est là, là. Donc, nous les vendeurs aussi ici, on n'est pas content parce que s'il n'y a pas les enfants, on ne peut pas vendre. Donc, on mange ici. On vend pour nous nourrir nous-mêmes. Donc, on demande vraiment que les autorités là, le président et ses compagnons n'ont qu'à arranger le problème des professeurs. Parce que vraiment, nous, on ne sait pas comment on va devenir. Ils ont leurs raisons aussi. De toute façon, eux aussi, ils expliquent qu'ils ont leurs raisons. Donc, chacun cherche pour son avenir. Donc, vraiment, nous, on demande que les autorités, là, n'ont qu'à faire grâce. Ils n'ont qu'à aider, arranger le problème des professeurs. Toujours le volet éducation, le syndicat national du personnel d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche en association avec le syndicat national des enseignants du secondaire se sont réunis ce matin à la Bourse du Travail. Les propos du secrétaire général adjoint du SNES recueillis par Odetta Zwangena. Effectivement, un arrêt de travail pour 72 heures à compter d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire pour les 9, 10 et 11 novembre. Et c'est pour faire suite à notre revendication que nous avons déposée auprès du gouvernement et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas trouvé de solution. Les négociations ont sérieusement démarré le 4 janvier, elles se sont poursuivies le 5. Bon, il y a eu une interruption et elles ont repris aujourd'hui à partir de 10 heures et nous osons espérer que le gouvernement va peut-être jouer franc jeu dans ce dialogue gouvernement-syndicat afin que nous sortions de cette crise du système éducatif burkinabé. Ben, nous voudrions vous rassurer que la grève est suivie sur l'ensemble du territoire. La dernière grève que nous avions faite, à savoir celle de 96 heures, 26, 27, 28 et 29 novembre, nous avons eu un taux de participation d'environ 96% sur l'ensemble du territoire. Et ce matin, je vous rassure, tous les établissements de Ouagadougou sont pratiquement fermés. Pour ce qui concerne la région du centre et des échos qui nous parviennent à l'intérieur du pays, il en va de même. Les quatre points de revendication sont essentiellement les suivants. En un, nous réclamons un statut valorisant pour les acteurs du système éducatif. Et en seconde position, nous avons l'accès à l'éducation qui concerne l'ensemble de tous les enfants burkinabés. En troisième position, nous avons la revalorisation de la fonction enseignante et nous ne pouvions pas effectivement résoudre de manière isolée ces points-là sans passer par un de ces éléments que nous venons de citer. Je vous rappelle que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes partis à cette grève et les élèves, les parents d'élèves, aussi bien que les enseignants ont à cœur à ce que l'année ne soit pas blanche. Malheureusement, si nous continuons dans cette lancée du système éducatif, nous produisons beaucoup plus, je ne dirais pas des déchets,
mais nous produisons beaucoup plus des enfants qui sont inadaptés, nous produisons beaucoup plus des échecs scolaires, nous produisons beaucoup plus des citoyens qui ne représentent pas le citoyen idéal que l'on voudrait. Et c'est pour mettre fin à cela que nous nous insurgeons contre le système éducatif actuel dans les conditions de travail que nous faisons. Donc, nous, nous avons à cœur à ce que l'année ne soit pas blanche et nous ferons de sorte à ce que l'année ne soit pas blanche une fois que le gouvernement prendra sur lui de résoudre notre problème. Et les parents d'élèves et les élèves peuvent se rassurer. Nous nous donnerons les moyens de sauver l'année autant que nous le pouvions. Si toutefois le gouvernement répond à temps par rapport à ses revendications et il n'appartient qu'au gouvernement effectivement de résoudre le problème pour que nous repartions de plein pied dans le travail. Ouvrons la page des audiences. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu une délégation de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, en abrégé CODEL. La délégation a été conduite par Maître Alidou Ouedraogo. Les détails avec Dieudonné Koumsara et Yasmina. Le président de l'Assemblée nationale a eu un carnet d'audience très chargé en ce jour. À 10h, il recevait une délégation de la CODEL conduite par son président Maître Alidou Ouedraogo. Nous venons d'être reçus par son excellence Monsieur le président de l'Assemblée nationale à notre demande. C'est pour effectivement lui faire le point sur les activités, la convention, les organisations de la société civile pour la surveillance domestique des élections au Burkina Faso. Donc, ça a été l'occasion pour nous, effectivement, d'échanger sur les missions du Parlement, qui est la deuxième institution de notre État, et effectivement d'avoir des réponses à propos, effectivement, des propositions de loi, du vote de loi, des projets de loi, la répartition du budgétaire, et effectivement des commissions d'enquête parlementaire. L'objectif global de la rencontre était d'échanger sur la mission du Parlement en vue de permettre à la CODEL de mieux jouer son rôle dans la consolidation de l'état de droit. À sa sortie d'audience, Maître Alidou Ouedraogo rassure que la CODEL a reçu des réponses édifiantes du président de l'Assemblée nationale. C'est autant de sujets que nous avons évoqués avec son excellence et qui nous a donné des réponses assez édifiantes. Et cela rentre dans notre rôle également d'éveil citoyen pour effectivement le renforcement de l'état de droit. Parce qu'une fois renforcés de ces informations, nous pourrons les répartager au niveau des associations et surtout au niveau des populations pour qu'ils comprennent, elles comprennent exactement le rôle du Parlement. Cela peut faciliter beaucoup de choses. Selon le président de la CODEL, un état de droit bancal vaut mieux qu'un état de droit d'exception. À l'en croire, seul un état de droit peut construire un pays comme le Burkina Faso. À la suite de la CODEL, ce fut le tour de l'association Mémoire et Conscience. La délégation de l'association, conduite par son président Luc Maris Ibriga, dit être venue présenter au président de l'Assemblée nationale leur projet d'érection d'un monument dans les locaux de l'ex-siège de la représentation nationale. Le reportage toujours avec Dieudonné Koumsara et Yasmina Djigimde. Peu après le départ de la CODEL, le président de l'Assemblée nationale reçoit une deuxième audience. Cette fois-ci, c'est l'association Mémoire et Conscience qui prend place. Une délégation conduite par Luc Marius Ibriga. Son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, a bien voulu nous apporter une audience pour faire le point des activités de l'association Mémoire et Conscience, dont le rôle est dirigé sur le site de l'ex-Assemblée nationale, un musée et un monument de souvenir des luttes du peuple burkinabé. Et donc nous sommes venus faire au président le point de l'avancée des travaux, le fait que nous avons déjà réalisé le concours d'idées sur la réalisation de ce complexe architectural musée et monument, et que actuellement nous sommes à la phase de réalisation du concours architectural pour lequel nous avons besoin d'un certain nombre de documents cadastraux et des documents sur la qualité et la solidité des édifices de l'ex-Assemblée nationale. Ériger un monument et un musée de souvenirs sur le site de l'ex-Assemblée nationale,
Tel est le vœu de la dite délégation. À sa sortie d'audience, Luc Marius Ibriga nous rassure que le président de l'Assemblée nationale est favorable à la requête. Le président nous a assuré qu'il mettra les services de l'Assemblée en branle pour que nous puissions avoir ces documents et que, comme l'année dernière, elle réfléchisse à la possibilité d'un soutien à l'association parce qu'il considère que le travail que nous faisons est un travail de souvenir et qu'il importe d'appuyer. Voilà le contenu de la rencontre que nous avons eue avec le président de l'Assemblée nationale. La troisième et dernière audience du jour a été celle de l'ambassadeur du Soudan. Il dit être venu apporter un message de coopération entre les deux pays, notamment le Soudan et le Burkina Faso. Un message de la part de son Excellence le président de l'Assemblée nationale soudanaise, à son Excellence Monsieur le président de l'Assemblée nationale, concernant la coopération entre les deux pays, puis la coordination dans les sujets qui concernent l'Union parlementaire d'organisation islamique de coopération qui va avoir lieu le 16 ou le 17 à Tahran. En plus, bien sûr, j'ai délivré la salutation de son Excellence le Président à son homologue par l'événement de la nouvelle année et la bonne voie pour lui-même et pour le peuple burkinabé. En conclusion, nous osons croire que les audienciers du jour sont tous partis avec le sourire. Et puis à la primature, l'ambassadeur de la République française au Burkina Faso a été reçu en audience par le Premier ministre Paul Kabatiba. Plusieurs points de la coopération entre les deux pays ont été passés en revue au cours de cette rencontre. Le reportage de Moïse Kinda. Xavier Lampert de Cabanais est venu voir le chef du gouvernement pour discuter de quelques points allant dans le sens du développement économique et social. J'ai souhaité rencontrer le Premier ministre parce que c'est la rentrée après le début de l'année. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, notamment pas depuis la visite du président de la République française à Ouagadougou. Donc je voulais passer en revue un certain nombre de dossiers avec le Premier ministre, les dossiers bilatéraux bien entendu. Un petit peu avec lui aussi la situation économique, etc. C'est pour ça que je suis venu rendre visite au Premier ministre aujourd'hui. J'ai eu une discussion assez longue, on est resté une heure ensemble. On a discuté de la Caisse des dépôts et consignations, on a discuté de l'Institut de formation de l'eau et de l'énergie 2IE, qui est une institution d'enseignement supérieur qui fonctionne très bien et pour laquelle on veut avoir un plus grand rapprochement encore entre les écoles françaises du même ordre et des IE. On a évoqué vraiment un certain nombre de sujets, la situation économique du Burkina Faso. Donc c'était un peu un tour d'horizon, je dirais. Pour tout le reste, nous sommes un des partenaires principaux du Burkina Faso et nous comptons bien rester pour l'aider à développer son économie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'objectif de la Caisse des dépôts et consignations, qui est une création toute récente, j'allais dire. C'est une création pour l'instant dans la loi, ça va bientôt l'être dans les faits, et c'est pour ça que nous avons une coopération avec le Burkina. La Caisse des dépôts et consignations sera un instrument de financement de l'économie de Burkina Faso qui devrait lui permettre d'accélérer le financement de d'infrastructures et donc de développer plus rapidement l'économie. La France reste l'un des grands partenaires du Burkina Faso et l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le pays des hommes intègres dans ses chantiers de développement dans plusieurs domaines. L'actualité internationale est marquée aujourd'hui par l'arrivée de Emmanuel Macron en Chine et la poignée de main entre les représentants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.
après les échanges d'amitié, place à l'économie. Deuxième jour de la visite du président français en Chine, devant une pépinière d'entrepreneurs, Emmanuel Macron plaide pour un partenariat économique plus équilibré. La France importe 45 milliards de la Chine, elle n'exporte que 15 milliards. Et donc nous avons des accès au marché qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas satisfaisants. Si nous ne regardons pas les choses en responsabilité, la réaction première, naturelle, celle que nous avons trop longtemps eue, c'est de fermer des deux côtés. Ouvrons les deux avec un agenda positif où il y a plus d'accès pour nos entreprises, PME, ETI, grands groupes, sur certains secteurs où cette ouverture est offerte en Chine, et ouvrons davantage de place à l'investissement en France. Paris espère notamment conclure des ventes d'Airbus et de moteurs Safran et surtout avancer sur un méga contrat pour Areva portant sur la fourniture d'une usine de retraitement de déchets radioactifs. Emmanuel Macron a démarré sa journée par une visite de la cité interdite avec son épouse Brigitte. Soleil et photos souvenirs pour le couple présidentiel en compagnie d'élèves du lycée français de Pékin. Le chef de l'État s'est attardé devant un principe écrit pour les empereurs chinois avec équité, gouverner à partir du centre. Cette poignée de main était inimaginable il y a encore quelques jours. Mardi, des officiels sud-coréens ont rencontré une délégation nord-coréenne à Panmunjom, un village frontalier dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule depuis 65 ans. Cette rencontre a permis de concrétiser la participation des Nord-Coréens aux prochains Jeux Olympiques d'hiver. La Corée du Nord a déclaré qu'elle enverrait une délégation de haut rang aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, incluant des membres du Comité National Olympique, des athlètes, des artistes, des supporters, une équipe de démonstration de taekwondo ainsi que des journalistes. Ce réchauffement soudain des relations entre les deux pays tranche avec le climat délétère qui s'est installé entre Pyongyang et Washington ces derniers mois. Ce mardi, les discussions continuent à la Maison de la Paix, lieu d'accueil des pourparlers. Il reste encore à déterminer si les représentants des deux pays feront une entrée commune lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Pyeongchang, comme ce fut le cas aux JO de Sydney, d'Athènes et de Turin. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain, même chaîne, même heure.